Bon, à la suite de ma petite aventure avec les SMI, donc du coup, bah, j'ai rentré les poivrons. La nature est plus forte que moi. J'en doutais encore. Vous vous rendez compte quand même? Et ils germent pas. Donc là, je les ai rentrés à la maison. Donc 25 degrés de température, ça va le faire, je pense. Enfin, il fait pas 25, c'est une expression. J'ai rentré aussi les semis de tomates qui, eux, par contre, ont commencé à bien pousser. Ils sont de l'autre côté du mur, là. Voilà, donc je les ai arrosés ce matin, j'aurais fait prendre l'air, c'est pas mal. Et puis ce matin, je vais faire du rempotage de laitue. Alors la laitue au premier plan, puis en second plan là-bas, le chou. Donc donc il commençait un petit peu à filer, je trouve. Hein, donc faut le faire, donc rock'n'roll. Donc en fait, les godets à la rescousse, j'ai pris des godets de... je sais pas combien que ça fait 8 par 8, je pense. Et puis aujourd'hui, je commence aussi les semis de courge sur les graines de la récolte 2019. Allez, allez, allez! Bon, ben voilà, c'est terminé pour les choux. Donc maintenant, on va passer à la laitue. Alors ici, j'ai 28 choux. Donc j'espère que ça va donner ses fruits. Hein. Je suis comme vous. Hein. Et moi, je suis plus habitué avec les courges. Mais donc, j'essaie, je suis comme vous. Et puis, puis on va faire ça. Alors ça c'est pareil, il y en a encore un petit paquet, ça va prendre du temps. Allez, on continue. Bon, voilà, je viens de me faire 20 godets de laitue, voilà. Donc, j'ai mis qu'une seule pousse à chaque fois. Et puis, il me reste encore tout ça, là. Donc, je pense que je vais en faire encore un petit peu. Pas beaucoup, et le reste, je vais le mettre directement en terre, je pense. Voilà, et puis je vais les protéger avec mes tunnels, et puis en plastique, et puis on verra bien. Allez, ça roule. Et puis cet après-midi, courge. Hey, mais vas-y, courge toujours. Bon, ça, c'est un petit bac à moules. C'est bien pratique. Je mets de l'eau à l'intérieur et puis j'arrose par en dessous. C'est voilà. Donc, le terreau que j'ai mis, enfin le terreau, mais la terre asmique que j'ai mis, elle est toute sèche. Donc, ça va aspirer et ça va être bien. Et puis, roule. Allez, on continue. Donc, voici pour les semis de laitue et de choux. Donc, à gauche, 28 choux. À droite, 36 laitues, voilà, c'est ça. Et puis le reste des laitues, je vais les mettre en pleine terre. Voilà, donc bon, on verra ce que ça va donner. Et puis, on va aussi planter de la coriandre. Alors, ce qui est bien, c'est que j'en ai mis là, dans mon petit bac, de la coriandre. Et puis, là-bas aussi, dans le coin, là. Juste ici, là. Bon, voilà, ça y est. Ça, c'est les semis de salade. J'ai mis ça sous les tunnels. On verra bien ce que ça va donner. Ce petit tunnel là, c'est du semis de coriandre, et puis le tunnel là-bas en biais, c'est pareil, un autre petit endroit. Alors, on va voir si ça marche. Comme d'hab, si ça marche, tant mieux, et comme d'hab, si ça marche pas, tant pis. Allez,